Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis content parce que j'ai mis le 3-6 flip. Donc je l'ai mis hier et je l'ai mis en 4 jours. Vraiment, je suis grave content. Je vais vous montrer toutes les après-midi où j'ai filmé. Vraiment, j'ai mis 4 jours, enfin 4 après-midi, mais les après-midi c'était de 14h à 18h, 19h. Franchement, je suis grave content. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai des conseils pour le 3-6 flip, comment j'ai réussi, les petits secrets et tout. Je vais vous mettre, il y a juste une après-midi où j'ai pas filmé parce que j'avais la flemme. Donc la première après-midi déjà, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps, je crois que c'était la semaine dernière, où je mettais que le pied arrière, non que le pied avant. Après la deuxième après-midi, je mettais que le pied arrière du coup. La troisième après-midi, pareil. Et je commençais à mettre les deux pieds à peu près, enfin, on va dire que les deux pieds ils étaient pas loin. Et la quatrième après-midi, donc c'était hier. Et franchement, je suis grave content, je l'ai mis après je sais pas combien d'essais, vraiment. Donc en fait, donc j'ai tryhard à fond. Et tous les tryhards que j'ai mis en vidéo, c'est à peu près un tiers de tous les essais compris que j'ai fait. Donc ça a pris quand même pas mal de temps. J'avais 2 heures de vidéo je crois, ou un truc comme ça. J'ai eu pas mal de galères aussi. À un moment il s'est mis à pleuvoir, il y avait de l'orage, du vent. À un autre moment j'avais plus de batterie, enfin, c'était vraiment la galère. Là je vous ai tout filmé. Il y a eu plein d'essais où j'étais à deux doigts de le mettre vraiment. Je me suis pris une zipette, peut-être deux, je sais plus. Franchement, je suis grave content de l'avoir mis. Je pense en 4 jours, c'est vraiment... J'ai des potes qui me disent, ouais, je l'ai mis en un an. Donc déjà, je vous mets les clips du troisième après-midi. Le deuxième, je vais pas filmer. Le troisième, donc voilà, c'est parti. Can't get a penny, nickel, you can't get a dime back. Stacking all these bands, but I can't buy time back. When I'm out in public, I can hear where you find that. Pull a real fat like it came out the 5-pack. Shorty wanna know the line, like a spelling bee. Honey pot, smoke red, solo purple Hennessy. I'ma take my time for the finish line, up the speed. I was on her mind, I could tell by how she calling me. Friends, stay away, Paul's gonna leave, but the rest gon' stay. We roll reefer, got a hidden scene, no, it's like a reefer. We at the top, looking down, what's beneath us. Bet we not coming down, I just read her. So high, I just touched Venus. But I still touch racks like Serena. And you know I only say it if I mean it. We ain't even hit play, but she climax. I don't wanna stay, so I tell her I'll be right back. Yeah, she wanna smoke, she keep reaching into my bag. I just bought a quarter, I'ma go get me a 5-pack. Penny, nickel, you can't get a dime back. Stacking all these bands, but I can't buy time back. When I'm out in public, I keep being where you find that. Going real fat, like it came out the 5-pack. Shorty want another line, like a spelling bee. Honey, pot, smoke, press, solo, go with Hennessy. I'ma take my time for the finish line, up the speed. I was on her mind, I could tell her how she calling me. Donc là je vais vous mettre les clips de 4e après-midi, du coup c'était hier, et bah voilà, profitez. Partie là pour skater, je vais essayer, mais bon ça a mouillé tout là, puis là c'est encore en train de pleuvoir.
l'ai pas mis hyper propre, mais bon, de toute façon, je retravaillerai ça après. À la fin, j'avais plus de force, j'étais limace. J'ai des courbatures, même là, j'ai encore mal aux pieds et tout. À force, ma board, le take, il est. Je sais pas comment on dit, mais il se décompose. Genre, il y a des petits bouts qui s'enlèvent et tout. Bon, le tail, il était tout déformé à la fin. Je vous montrerai ça juste après, la board. En dessous, c'est poncé. Genre, le tail, au niveau du tail, ça se voit que j'ai gratté à mort dessus. Mes chaussures, c'est des Naija. Vraiment, bah, déjà, elles étaient défoncées. Et là, bah, elles sont encore plus défoncées. Donc, bon, au moins, je l'ai mis. Je suis grave content. Je mettrai un peu plus propre plus tard. Mais voilà. La board. Donc là, déjà, on voit le tail, il est un peu à force de gratter. Et à l'avant aussi, bon, il y a un petit bout qui est parti. Mais voilà, à part ça, bah, la board, de toute façon, elle était quasiment neuve avant. Donc voilà. Du coup, ce que j'ai comme conseil, c'est de mettre son pied à peu près au milieu de la board et de gratter plus vers l'extérieur. Et ensuite, pour le pied arrière, bah, c'est de le mettre dans le creux du tail et puis faire une forme de cuillère avec le pied. Donc au début, j'arrivais pas trop. Je mettais le varial, mais j'arrivais pas à faire tourner plus que le varial. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est de penser comme si on faisait un big spin. Et comme si nous, on voulait tourner. Et en fait, ça m'a bien aidé. Donc voilà pour ce qui est des conseils. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.